Tout ce qui peut arriver, arrivera. Tout ce qui peut advenir, va advenir. S'il est possible que ça se produise, ça finira par se produire. C'est une idée qui sonne bien, qui semble pas déraisonnable, voire presque révélatrice d'une vérité fondamentale de l'univers ou d'une évidence qui tomberait sous le sens. Mais ça veut dire quoi? Et est-ce que c'est vrai? Dans la précédente vidéo, je vous parlais de l'origine historique de la loi de Murphy, El Famoso, tout ce qui peut aller mal, ira mal, qu'on généralise parfois en tout ce qui peut arriver, arrivera. Je vous propose maintenant qu'on s'interroge un peu plus fondamentalement sur le sens réel qu'on peut donner à ces affirmations. D'une part, en s'intéressant à la perception humaine de la réalité qui vient constamment biaiser et teinter les événements qui s'y produisent, et puis d'autre part, en étudiant quelques curiosités mathématiques qui tournent autour de ce sujet de ce qui est possible, ce qui est probable, ce qui est certain, du fait que tout peut arriver. On va parler des bouchons sur le périph, on va parler de pi, mais commençons par apporter des éléments de réponse à la question fondamentale soulevée par la loi de Murphy. Pourquoi la vie c'est de la même ? Pour vous résumer en deux mots ce que j'évoquais dans cette vidéo, allez la voir, SVP, elle est très cool, la loi de Murphy, donc tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal, tire en fait son origine du domaine de l'ingénierie de sécurité, qui met en valeur le fait que, dans la conception d'un produit, à destination du grand public par exemple, tout doit être béton. Il faut parer à toutes les éventualités, prévoir tous les scénarios, en particulier les scénarios catastrophes, parce que si on laisse la moindre porte ouverte à une erreur, à une faille de conception, à un danger, ça finira par nous retomber dessus. Si le risque existe, quelqu'un, quelque part, un jour, en paiera fatalement le prix. Si ça peut arriver, ça arrivera. Donc la loi de Murphy originale, c'est ça, et c'est en quelque sorte ce raisonnement-là qui pousse certains concepteurs à imprimer des messages pour gros débiles sur leurs étiquettes, du genre ne pas ingérer sur les paquets de lessive, ne pas manger le papier sur les sandwichs du Subway, ne pas repasser le vêtement pendant qu'on le porte, je vous jure que ça existe, et plein d'autres dans le même style. On se dit que c'est du bon sens et que personne n'aurait l'idée de faire ça, mais la loi de Murphy vous dit que si le pire est envisageable, il y aura toujours un con quelque part pour le faire. Et certaines sources affirment d'ailleurs que la première formulation de l'idée par Edward Murphy lui-même en 1949 ressemble à peu près à ça. If there are two or more ways to do something and one of those ways can result in a catastrophe, someone will do it. Alors aujourd'hui, le sens moderne, populaire qu'on attribue à la loi de Murphy, tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal, a en général une connotation beaucoup plus pessimiste. Quand on passe une mauvaise journée, la loi de Murphy vient expliquer, presque justifier l'acharnement de l'univers contre notre personne, et ça a bizarrement un côté presque rassurant de se dire qu'il y aurait une loi universelle qui vous dit que tout va foirer, parce que ça nous permet de nous extraire un petit peu de la situation, de la voir plus universellement et moins personnellement, et dans l'idéal d'y ajouter un décalage et une pointe d'humour. De manière pragmatique et psychologique, cette dérive pessimiste qu'a pris la loi de Murphy au cours du temps, elle peut s'expliquer par des nombreux biais de perception qui font que pour les humains, le négatif est souvent plus persistant et plus impactant que le positif. Ce phénomène-là, qui est avéré selon plusieurs études, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité, ou l'asymétrie positive-négative. En règle générale, malheureusement, le cerveau humain réagit beaucoup plus fort à des stimuli négatifs qu'à des stimuli jugés positifs. On se souvient avec plus de détails d'événements traumatisants que de souvenirs heureux, par exemple. Et puis, les contenus qui nous attristent, qui nous dégoûtent, ou encore mieux, qui nous énervent, suscitent beaucoup plus de réactions et d'engouement que leurs équivalents positifs. Ce qui peut parfois conduire les algorithmes de recommandation de certains réseaux sociaux à mettre en valeur sur nos timelines des contenus aberrants ou choquants, ou qui vont à l'encontre de nos valeurs personnelles, contribuant activement à l'alimentation d'une shitstorm générale, parce que ça génère plus de vues, de clics et d'engagement sur le long terme. Dans tous les cas, notre perception biaisée du monde et le jugement qu'on porte sur les événements, ils sont pour beaucoup dans notre inclination pour le pessimisme et le tournant doux-amer qu'a pris la loi de Murphy au fil du temps. Pour illustrer tous ces biais de perception qu'on subit au quotidien, prenons un exemple concret, l'exemple canonique de la loi de Murphy, El Clasico, les embouteillages. Oh non, 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 non! Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est dans les bouchons, on a toujours l'impression que la file d'à côté avance plus vite. Eh bien, en 1999, deux chercheurs de Toronto et de Stanford se sont associés pour produire un petit papier publié dans l'illustre revue scientifique Nature, qui théorise pourquoi la tentation de changer de voie serait en fait purement motivée par une illusion. Alors même que les deux voies avancent en moyenne à la même vitesse, notre perception nous convainc systématiquement que... non, la voie d'à côté avance plus vite. Pourquoi ? Parce que, même si on dépasse des voitures autant de fois qu'elles nous dépassent,
on passe plus de temps à être dépassé qu'à dépasser les autres. Alors ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais en fait c'est logique parce que les véhicules qui nous dépassent, ils sont assez écartés les uns des autres en roulant, donc ils forment un long cortège qui met du temps à nous dépasser, alors que les voitures à l'arrêt, qui sont collées les unes aux autres, on les dépasse en un rien de temps. Ces données récoltées dans l'article ne sont pas issues de l'observation du périph à 17h, mais d'une modélisation informatique, d'un embouteillage virtuel, sur lequel les auteurs donnent assez peu de détails. Alors, dans un souci d'approfondissement, animé par la quête éternelle de la vérité et désireux de pousser la démarche scientifique dans ses ultimes retranchements, j'ai travaillé d'arrache-pied pendant un après-midi sur la conception de ma propre simulation informatique du trafic routier ultra réaliste. Mesdames, messieurs les viewers, au prix de moult efforts, j'ai l'insigne honneur et le privilège de vous présenter... Si on se concentre sur la petite voiture à couronne, on peut faire exactement le constat mis en lumière dans l'article de Nature. Elle dépasse autant de fois qu'elle est dépassée, mais elle passe plus de temps à se faire dépasser par un long cortège de 4 voitures qu'à dépasser ces 4 mêmes voitures en formation compacte. Cette espèce de dissonance lui donne la nette sensation de se faire enfler, alors même que les deux voies progressent en fait à la même vitesse. Le lien de la simulation est disponible en description si vous voulez la tester par vous-même et la partager à votre daron pour essayer de le convaincre que ça sert à rien de faire des zigzags en go-fast aux heures de pointe et que la frustration qui fait surgir le Vin Diesel en lui n'est qu'illusoire. Papa, je règle des comptes familiaux dans cette vidéo, c'est terrible. Family. En plus de la simulation informatique, il y a une deuxième expérience qui est menée par les auteurs de l'article. On accroche une caméra sur le côté d'une voiture prise dans un embouteillage et on montre à 120 étudiants la vidéo issue de cette prise de vue. Alors que des mesures précises faites par les auteurs montrent que l'autre file était en fait un petit peu plus lente que celle dans laquelle le conducteur était engagé, 70% des spectateurs de la vidéo ont estimé que l'autre file était plus rapide et qu'il valait mieux changer de voie. Un autre type de biais qui est suggéré par les auteurs et qui pourrait venir accentuer cette envie qu'on a de changer de voie, c'est le fait que quand on est à l'arrêt immobile dans sa voiture, on peut se permettre de regarder sur les côtés et du coup on a bien le temps de voir les voitures nous doubler sur l'autre voie. Et forcément, faut que ça roule, bande d'enfoirés ! Alors que quand on avance, finalement on est concentré sur la route et du coup les voitures qu'on double, en fait elles disparaissent assez vite dans notre vision périphérique et ça nous donne l'impression de moins doubler et que on n'avance pas tant que ça. Alors maintenant qu'on a évoqué cette histoire de biais de négativité, on va mettre de côté l'aspect pessimiste de la loi de Murphy pour revenir à l'affirmation plus générale « tout ce qui peut arriver, arrivera ». C'est pas l'interprétation la plus commune de la loi de Murphy, mais elle existe néanmoins. C'est notamment la version de l'ingénieur George Nichols, qui est l'un des principaux acteurs de la création de la loi de Murphy. Je vous renvoie encore une fois à cette vidéo, jurée, elle est cool. Et ce qui va peut-être vous parler un peu plus, c'est la version de Joseph Cooper. What's going on, Murph? Why did you and Mom leave me after something that's bad? No, we didn't. Murphy's Law. Now, Murphy's Law doesn't mean that something bad will happen. What it means is that whatever can happen will happen. And that sounded just fine with us. Donc cette idée-là, tout ce qui peut arriver va arriver, elle est assez naturelle et elle est largement répandue dans l'imaginaire collectif, en particulier dans la pop culture, mais elle est parfois employée extensivement dans des raisonnements à la limite du fallacieux. Exemple. Si l'univers est infini, il y a forcément quelque part au moins une autre planète qui abrite la vie. Non. S'il y a une infinité d'univers parallèles, alors il y en a forcément un où je joue du banjo et je sors avec Emma Watson. Non. Alors attention, je suis pas en train de dire que les affirmations finales sont fausses ou que le postulat de départ est faux, j'en sais rien. Ce que je remets en question ici, c'est purement le raisonnement. Ce raisonnement, il s'appuie sur l'impression naïve que si on dispose d'une collection infinie d'objets ou d'une infinité de façons de faire les choses, alors on pourra forcément y trouver tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est pas nécessairement le cas. Exemple. La marche aléatoire isotrope. Vous partez d'un point de départ dans l'espace, et puis vous faites un pas aléatoirement dans l'une des 6 directions possibles, donc on est en 3 dimensions. Donc vous faites un pas aléatoire, et ensuite vous faites un autre pas aléatoire dans l'espace, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Donc ce trajet, il fait de vous ce qu'on appelle un marcheur aléatoire. Et là on pourrait se dire que pendant votre périple aléatoire, vous allez forcément finir par retomber à un moment sur votre point de départ.
Après tout, tous les trajets sont possibles, et à chaque étape de votre marche, il existe bien une succession de pas qui vous ramènerait au point de départ. Et tout ce qui peut arriver finira par arriver, non? Eh ben non. La probabilité de retourner à votre point de départ au cours de votre périple, elle est de seulement 34%, ce qui vous laisse 66% de chances de vous perdre à jamais dans l'espace. Alors je rentre pas dans le détail de pourquoi c'est vrai, parce que ça nous entraînerait trop loin, mais l'étude des marches aléatoires est très intéressante en soi, et on fera peut-être ça une autre fois. Revenons plutôt à des considérations un peu plus simples, et parlons juste de nombres. Dans l'ensemble de tous les nombres à notre disposition, on a d'abord les nombres entiers, ceux-là tout le monde les connaît, hein, 0, 1, 2, 3, 4 et j'en passe, et leurs équivalents en négatifs aussi si vous voulez. Ensuite on a les nombres dits rationnels, qui sont des ratios de deux nombres entiers, donc qu'on peut écrire sous la forme de fractions, mais qu'on peut aussi écrire sous la forme de nombres à virgule, en donnant ce qu'on appelle leur développement décimal. Et si on fait ça, on peut faire un joli constat, c'est que le développement décimal d'une fraction, soit il est fini, c'est-à-dire qu'il s'arrête au bout d'un moment, comme celui de 1 quart, 0,25, ou 3 huitièmes, 0,375, soit il est infini, comme 1 tiers, 3 onzièmes, ou encore 27 28e, mais dans ce cas-là, il est forcément périodique à partir d'un certain rang, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va forcément observer une même séquence de chiffres qui se répète à l'infini. Et ça, ça concerne toutes les fractions. Tous les nombres rationnels ont cette propriété de périodicité dans leur développement décimal, ce qui est déjà un résultat assez rigolo en soi. Et ensuite, on a les nombres irrationnels, ceux qui ne peuvent pas s'écrire comme une fraction de deux nombres entiers. Racine de 2 est l'exemple typique d'un nombre irrationnel. Donc ce qui distingue les irrationnels des rationnels, c'est que leur développement décimal, il n'admet aucune périodicité. Si j'écris le développement décimal d'un nombre irrationnel, il est infini et il ne présente pas de répétition au sens où je ne vais pas tomber sur une séquence finie de chiffres qui se répète indéfiniment. Le développement se présente donc comme une succession infinie de chiffres sans périodicité. Est-ce que ça veut dire pour autant que je peux trouver n'importe quelle séquence de chiffres à l'intérieur? Non, oui, non. Considérez par exemple ce nombre irrationnel. 0,12, 1,12, 1,112, 1,1112, 1,1111, 1,1111, etc. Donc vous pouvez vous convaincre, il s'agit bien d'un nombre irrationnel parce que le développement n'est pas périodique à partir d'un certain rang. Du fait que je rajoute un 1 à chaque fois, je renouvelle la séquence et donc il n'y a aucun risque de périodicité. J'ai ici produit un développement décimal infini, sans périodicité, et pour autant, évidemment, ce développement, il est loin de tout contenir, puisqu'il contient même pas le chiffre 3, par exemple, ou 4. Donc il faut bien se mettre ça en tête, une suite infinie sans répétition périodique, bah, ça veut pas dire pour autant qu'on explore tout l'ensemble des possibles. Cependant, parmi les nombres irrationnels, il y a quand même des nombres qui ont cette propriété de tout explorer, de tout contenir. C'est ce qu'on appelle les nombres univers. C'est très stylé comme appellation, et c'est spécifique aux français, il n'y a pas d'équivalent anglophone aussi impactant. Un nombre univers, c'est un nombre dont le développement décimal est tellement varié et extensif qu'il contient n'importe quelle séquence finie de chiffres à laquelle vous pouvez penser, comme un espèce de nombre dictionnaire ou d'encyclopédie qui contient tout. Alors ça paraît assez ouf comme propriété, et assez restrictif, mais en fait, des nombres univers, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. On pourrait même dire qu'en fait, étonnamment, presque tous les nombres sont des nombres univers. Au sens où, si je pouvais sélectionner un nombre uniformément au hasard sur le segment de tous les nombres réels compris entre 0 et 1, et ben la probabilité de tomber sur un nombre univers, ce serait 100%. Pour le dire autrement, si je devais colorer chacun des points de ce segment en vert si c'est un nombre univers et en rouge si ça l'est pas, bah en fait vous verriez tout le segment en vert, parce que les tout petits points rouges seraient complètement noyés dans la masse de vert. Du coup on se retrouverait avec un segment univers. Donc en ce sens-là, presque tous les nombres sont des nombres univers. Par contre, paradoxalement, on ne sait pas dire aujourd'hui si des nombres bien connus comme racine de 2 ou pi, la resta des nombres, sont des nombres univers ou pas. Alors on soupçonne très fortement que pi est un nombre univers par exemple, que son développement décimal contient toutes les séquences de chiffres, notamment votre numéro de téléphone, de carte bleue, de sécurité sociale, mais on est dans l'incapacité de le démontrer aujourd'hui. Par contre, comme on connaît des tas et des tas de décimales de pi, 62 000 milliards actuellement, on peut déjà mettre à l'épreuve ses capacités en tant que nombre univers. Et il y a tout un tas de sites internet qui vous proposent de rechercher des séquences de chiffres spécifiques dans pi.
Par exemple, on peut se demander si la séquence 1, 2, 3, 4 apparaît dans Pi, et effectivement, ouais, elle apparaît bien pour la première fois à la 13807e décimale. De même, la séquence 999999999, bah, elle finit par apparaître quelque part dans Pi, mais il faut aller la chercher loin, au-delà de la 66 millionième décimale. Voilà, donc il y a pas mal de sites qui fonctionnent avec ce principe-là, c'est déjà un petit peu marrant, mais si les séquences de chiffres vous parlent pas plus que ça, on peut aussi faire quelque chose de plus visuel. Je prends le développement décimal de pi, je convertis chaque entier de 0 à 9 en binaire, et je fais ça pour chaque chiffre qui apparaît dans le développement, et du coup j'obtiens ce qu'on appelle le développement binaire de pi. Ensuite, je décide de dire que chaque 0 correspond à un pixel bleu, par exemple, et chaque 1 à un pixel rose, et je peux convertir le développement binaire de pi en une image composée d'un bandeau de pixels bleu et rose. Et ensuite, bah, on peut dérouler pi comme ça, scroller, et on se retrouve avec une image qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle du bruit blanc, c'est-à-dire des pixels bicolores qui semblent disposés de manière assez aléatoire, sans structure qui se discerne réellement. Mais c'est bizarrement assez satisfaisant et presque hypnotisant de scroller ce bandeau infini et de regarder ce qui s'y cache. Et puis mon œil humain étant ce qu'il est, il y a des choses qui attirent immédiatement mon regard, et il y a des trucs qui ressemblent presque à des symboles ou à des petits visages, à des petits bonhommes. C'est assez addictif parce que à la fois on voit rien de spécial et en même temps je me dis que au bout d'un moment, à force de scroller, je vais tomber sur un truc de ouf. Et en fait c'est sûrement vrai parce que dans ce nouveau contexte, dire que pi est un nombre univers, c'est dire que n'importe quel dessin auquel je peux penser, en pixel art si vous voulez, est contenu quelque part dans ce bandeau. Donc j'ai écrit des petits programmes en Python qui me permettent de rechercher des dessins spécifiques dans pi. Par exemple, on peut trouver pi dans pi, ce qui est assez méta, piception. Mais il faut scroller assez loin, il faut dépasser les 258 millions de décimales en binaire. Puis on peut aussi trouver fatalement toutes les lettres de l'alphabet, par exemple, si on cherche suffisamment bien. Et on peut aussi... Attendez, je crois que mes capteurs détectent quelque chose. Je le savais. Les nombres univers, ça arrive tout le temps. En fait, en quelque sorte, la raison qui fait qu'un nombre univers a cette capacité d'abriter toute l'information finie du monde, toutes les choses qui nous parlent dans une seule séquence de chiffres, c'est paradoxalement l'absence de structure. Ça se voit très bien sur l'image qui découle du développement binaire de pi. Chaque pixel semble éclairé de manière chaotique, de manière aléatoire. En fait, le mot-clé, c'est ça. Aléatoire. Le hasard, répété séquentiellement, indéfiniment et indépendamment, acquiert une espèce de capacité d'exploration qui lui permet de tout produire. Si on laisse place au hasard, tout ce qui peut arriver, arrivera. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Pour aller au bout des choses, il faut maintenant qu'on parle du hasard, de sa capacité à semer un chaos déraisonné et dans le même temps à créer tout ce qui est envisageable. Il faut aussi qu'on parle de notre perception humaine du hasard, tous ces biais qu'on traîne toujours avec nous et qui nous poussent à chercher du sens ou des structures là où parfois il n'y en a aucune. Et ça, bah, j'ai plus le temps d'en parler dans cette vidéo. Et ouais, je sais, c'est dur, ouais, je sais, il va falloir attendre, mais je reviendrai, promis. Et on parlera de lancer de pièces, Cooper, on parlera du bruit blanc, de l'infini et d'un singe qui tape sur une machine à écrire, Cooper. Et très émotif. Et très sensible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un petit pouce si ça vous a plu, et n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, ça m'aide vachement pour le référencement. Je vais essayer de rentrer sans me perdre dans l'espace, et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Abonnez-vous bien sûr, hein.